pour cette recette, on va prendre un cèpe de la forêt d'Andenne. On enlève un petit peu les parties terreuses qui resteraient. On va l'essuyer. On dépose le champignon dans le sautoir. On va mettre 1 cm, 1,5 cm d'eau. Après, on va ajouter notre laurier et le thym. Et on va mettre un beau morceau de beurre. On va mettre du poivre du moulin, comme ça, et une belle pincée de gros sel. Et on va poser à couvert. Donc là, 12 minutes de cuisson. Hein. Je vais prendre une poêle. On va mettre 15 ou 20 g de beurre. Je vais poser mon sel dans le beurre bien moussant comme ça. Je vais récupérer mes aromates et je vais commencer à faire dorer le champignon avec le beurre qu'on sert dessus. Et on va le retourner comme ça. Et on vient poser les coquilles Saint-Jacques. Là, on va bien les saisir. 40 secondes de chaque côté. Donc voilà, donc l'ensemble de la recette est cuite. On prend notre cèpe rôti, on pose sur un petit papier absorbant pour enlever l'excédent de matière grasse. Et puis après, on a nos coquilles Saint-Jacques. Je vais déglacer la cuisson. Je viens retrouver la cuisson première de mon cèpe que je vais venir verser comme ça dans ma poêle. Un petit coup de poivre du moulin et puis quelques petites fleurs de sel que je viens déposer sur le dessus.